Salutations, personnes de tout genre, et bienvenue dans cette nouvelle démo qui est assez particulière. Alors, le jeu s'appelle My Side, ce n'est pas un jeu pour adultes. En revanche, ça y ressemble un petit peu lorsqu'on regarde sa démo et tout, mais apparemment, c'est quelque chose de bien particulier. Donc, on va découvrir ça ensemble. Encore une fois, ce n'est que la démo, mais ça, j'imagine que vous le savez maintenant. Je peux te demander ta main. Allez, Clem. Moi, je veux lire dans les lignes de ta main. Vas-y. Tu lis quoi? Alors, moi, j'ai appris un truc. Excusez pour l'aparté hein, de la VOD. Mais en fait, j'ai appris un truc assez intéressant. C'est quand vous avez... Alors là, il y a la lumière qui est un peu... Voilà. Mais quand vous avez la main où il y a les deux lignes là qui se rejoignent, c'est... Alors, ça dépend si vous l'avez sur les deux mains ou pas. Moi, je ne l'ai pas sur les deux mains. Mais il paraît que si on l'a sur les deux mains, eh ben, j'ai aucune idée de ce que je vous raconte. Voilà. Je sais pas ce que vous pouvez faire de cette information, mais j'espère que ça vous ira. Jour 1. Celui qu'on retient. Je lis, cette personne ira loin, mais dans une direction surprenante. Oh, incroyable. J'étais à fond. Désolé, Clem. Salut, je m'appelle Mita. Quel est ton nom? Je m'appelle... Garvug. Heureuse de te rencontrer, Garvug. Garvug, la dernière fois, j'étais tellement pressée que j'ai tout laissé en bazar ici. Tu pourrais m'aider avec tout ça? Mais bien sûr. Waouh, waouh, waouh. Eh ben, merci beaucoup. Jour 2. Putain, mais quelle journée, là, c'est... Oh, la fatigue. Oh, la fatigue. Bon, je viens de m'étirer la fin de journée. Salut, Garvug, j'ai faim, donc... Je voudrais manger quelque chose. Pourrais-tu acheter les ingrédients pour une soupe au poulet? C'est exactement ce dont j'avais besoin. Cuisinons ensemble, d'accord? What the fuck is that? Vous allez voir. Est-ce que je peux le faire à la manette? Non. Dommage. Allez, go la pomme de terre maintenant. Voilà. Jour 5. Eh, hey, ça m'a pris 3 jours de cuisiner, quoi. Fucking mama de la concurrence. Mais clairement. Hein. On n'avait pas terminé la carotte. Ouais, mais l'autre partie servira pour autre chose, Clem. C'est pour un lapin ou un truc du genre. Ce n'est pas de la soupe en sachet. Eh. Hey. C'est du fait maison, ça, maîtrise. Hé, hey, Garvug, je vais acheter une télé pas chère aujourd'hui. Elle est portable et elle possède une antenne. J'aimerais la prendre avec moi quand je sors faire un tour. Tu sors avec ta télé portable? Il te faut 24 heures. Il faut pas 24 heures, il faut 72 heures. Nouveau jeu, tout à fait. Souviens-toi. Tu peux jouer à des jeux pour gagner de l'argent. Vas-tu jouer, gagner un peu d'argent et m'acheter une petite télé? Ok.
trouve ça tellement satisfaisant, ce genre de petit jeu. Quand tu dois démonter ou monter des trucs. Et GG Symmetry pour le niveau 109 et Xeldar le niveau 8. Je vois pas le côté horreur psychologique, mais ça va pas être dès le début, Clem. Par contre, t'as un peu spoil, du coup. J'ai voulu t'envoyer un truc pour ce jeu, mais j'hésite. N'hésite pas, Clem. Ça, Perlipopette ! Et salut, Axel, comment tu vas ? Alors... Ok. Effectivement, Clem. Ça marche. Exactement, Baldrim. Du moins, c'est ce qu'annonçait la démo. Après, enfin, le visuel du jeu. Attendez, je peux juste faire ça, sinon, en fait. Il est nul, votre mini-jeu. Génial! On a assez d'argent pour acheter une télé, désormais. Eh, tiens, prends ta télé. Putain, c'est moi qui bosse et c'est elle qui a le cadeau. Voilà, la moins chère et la plus facile à transporter. Exactement ce dont j'ai besoin. Merci. Jour 20. Hé, Garvug, je suis contente que tu m'aides. En fait, cette télé, elle est sympa. Mais elle s'est cassée tellement vite. S'il te plaît, aide-moi à déplacer ce placard à un autre endroit. Je vois pas le rapport, moi non plus, mais fais-le. C'est très très lourd. Bah écoute, ça va aussi, merci. Oui, je connais Anubis. Désolé. Trop classique. Mais je suis... C'est bien que tu assumes que t'en es tombé à Red Dingue. Je suis fier de toi. Le fait qu'il ressemble à une enfant en arrière-plan me perturbe. C'est vrai que le côté chibi, ça fait un peu enfant à chaque fois. Merci beaucoup. T'es mon préféré. Jour 33. Oh, Garvug. Cela fait juste un jour, mais... Tu m'as déjà manqué. J'aimerais que tu me rendes visite plus souvent. Et salut Yanis. Donne-moi un cadeau. Eh ça va Tiens, vas-y, prends un cadeau. T'as qu'à sortir, j'avoue. C'est pour moi. Merci, merci. Jour 37. Jour de recette. Car vu que je me disais, je voudrais te voir en personne. Si seulement je le pouvais. Je t'apprécie beaucoup. Tu fais quelque chose pour moi chaque jour. J'aimerais te remercier aussi d'une certaine façon. Tu sais quoi, j'ai une idée. Je me barre, me dit Yanis. Eh ben, barre-toi, Yanis. Je me tire. Ben, tire-toi, Yanis. Tu es avec moi maintenant. Pose le téléphone. Cet endroit me dit quelque chose. Est-ce que je suis dans le jeu ? Pourquoi elle avait besoin d'une autre télé ? Au revoir. Exactement. Et salut Seldel, comment tu vas? Bonjour. On a testé quelques démos sympathiques aujourd'hui, Seldel. Ah, je trouve ça cool qu'elle soit plus détaillée sur les photos ici. Je trouve que le détail est intéressant. Je ne peux pas me barrer. Alors,
Est-ce qu'on peut me dire... Je sais pas, j'ai pas... Je sais pas sur quelle touche appuyer. Ah. Ok. Il fallait juste continuer d'avancer. Pour moi, la main qui apparaissait, c'est que j'allais pouvoir faire un truc. Mais elle a besoin de combien de télé, l'autre folle? Oh, le petit chat. Bon, bah, go recouper des carottes, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense qu'elle doit être dans l'autre chambre. Bonjour. Exécution du jeu dépassée. Exécuter la mise à jour. Trouvez les objets et posez-les sur le scanner. J'ai besoin d'un stylo, d'une cuillère et d'un truc chelou. Ok, le stylo il est là. Le jeu est joli. Le jeu est super intéressant. Je sais pas, je trouve que c'est intriguant, ça marche bien. Et la cuillère, du coup. Oui, Baldrim, tout à fait. Ça a l'air particulier. Mais déjà, le fait de passer en... De la 2D à la 3D et tout, enfin, y a pas mal d'idées qui sont cool. En attendant, elle a disparu. C'est peut-être pas plus mal. Version 1.9. Ah oui, on était carrément à la bourre. Attention, spoilez pas trop, laissez les gens découvrir. Ouais, ça marche pas des masses. Ça se trouve, elle a pris notre place dans le monde extérieur. Bah ouais, mais du coup, elle me verra pas. Alors que c'est ça qu'elle voulait de base. Allumer la télé, non. Ah. Qui es-tu? Toi, qui es-tu? Aucune batterie. Elle te verra sur l'écran. Tu ne me vois pas? Tu veux jouer? Ouais, grave. Pas aux toilettes, par contre. J'avais dit pas aux toilettes, mais c'est pas grave. Je crois que mon avis, tout le monde s'en fout. Tu m'as demandé de venir et quand j'y suis, tu me demandes qui je suis. Elle est pas obligée d'être sûre de tout, Clem. Madame? Ah. La batterie. Qui es-tu? 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 Bonjour! M'a fait coucou. Je suis un peu touché quand même. Je suis ta maman. Ok. J'ai que 3 batteries sur 4 là. Et de 2. Ok.
Et la dernière ira là, mais il faut que je la trouve. Retournons dans la salle de bain. Non. Ça perd l'hypopète. Il semblerait bien que je sois une andouille. Micheline? Est-ce que t'as mis la dernière batterie? Ah, peut-être ici. Non. Ah, dans le frigo. On va penser à sortir les poubelles. Je t'aime. C'est mignon. Putain, tout ça pour une mise à jour, hein. Bon, tu as fait tes mises à jour. Ah, elle a une petite tenue d'écolière là-bas. Là. Données transmises. Salut Garvug, on se rencontre enfin. Je suis vraiment heureuse. Je sais que tu dois avoir des questions. Comme tu peux le voir. J'ai fabriqué cet appareil spécial pour t'amener jusqu'à moi le plus tôt possible. Mais pour une raison inconnue, tu atterris dans la mauvaise version du jeu. Pour ça, je... Oh, c'est une longue histoire. Enfin, contente de te rencontrer. Et salut Samy, comment vas-tu ? Je suis content aussi. Pour une raison inconnue, ta voix me rassure pas. Ah ouais? Je te parlerai comme ça alors, Clem. Comment je suis retrouvé dans le jeu? Laisse-moi t'expliquer. Et maintenant tu es là, compris? Bah pas du tout. Ah, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on soit ensemble maintenant. L'idée du fondu au noir est incroyable. Tout va bien se passer. Je dois faire quoi si je veux repartir? Tu veux déjà repartir? Je pense que ça devrait être possible, mais... Et moi alors? Restons ensemble. Et tu es Mita? C'est bien moi. Et tu es Garvug? Ouais. Est-ce que cet ordinateur fonctionne? Ou est-ce qu'il est juste décoratif? Bien sûr qu'il fonctionne. Tout ce qui est ici fonctionne. Même moi. Dans mon monde, j'utilisais souvent mon ordinateur pour travailler. Je sais. Et à cause de ce travail, tu as prêté si peu d'attention à mon égard. Disons que j'ai besoin de quoi vivre. Et comment tu sais ça? La caméra du téléphone s'allumait parfois. Désolé. Mais j'ai jeté un œil. Tu sais, c'est pas très bien de faire ça. Enfin, c'est pas grave. Je pense que je la connais. C'est Anita. Dans le jeu Umfein. Je me souviens que l'histoire du jeu n'est pas terminée. C'est ça. À cause de la faible expérience des développeurs, le résultat est très décevant. Elle est jolie. Évite peut-être de lui dire ça. Elle est moins jolie. Donc tu as vu des fois sous la couette? Oui, c'est dégoûtant. Des bisous. Tu portes des lunettes? Ah, merde, elle me suit. Non, mais je peux les porter. Ça te plairait? Ouais.
Tu es la plus belle, Mita. Sourire forcé. Et voilà. Je les porterai tout le temps maintenant. En vrai de vrai, un détail qui aurait été incroyable, c'est que vu qu'elle te dit je les porterai tout le temps maintenant, sur toutes les photos, il y a les lunettes qui apparaissent. Ça aurait été vraiment cool. Il y a tellement de livres. Est-ce que tu les lis ? J'ai lu tous les livres. J'ai toujours été seule ici. Je m'ennuyais tellement. Je comprends. Combien de chaînes de télé sont accessibles ici ? Ce n'est pas une télévision par satellite ou par câble. Elle est connectée à Internet. Tout ce que tu peux regarder sur Internet est disponible ici. Même le dark web. Attends. Oh. Voilà, c'est mieux. Oh, regarde des chatons. Waouh, du jus cool. Il est super balèze. Tu sais... Attends. C'est normal que je me sente mal à l'aise? Non, t'inquiète. Tout va bien se passer. Tu veux du jus? Non, ça ira. Drôle de publicité. Est-ce que le jus est mort? C'est ça. Et le jus provient du jus. Ok. Hey, c'est mon téléphone. Tu avais disparu de ma poche. Comment a-t-il atterri ici? Ça n'a pas d'importance. Attends, j'ai une idée. Et là, elle éclate par terre. Prêt pour prendre un selfie? Regarde ça. Quelle photo! Garde-la en souvenir! J'ai une question. Si je lance le jeu sur mon téléphone maintenant, je t'y verrai? Personne ne sera là. T'as pas de poche? Tu m'inquiètes. Elle peut prendre tout ce qu'il y a dans la télé, mais j'ai vu un couteau. Ouais, mais t'inquiète. J'ai vu qu'il fallait sortir les poubelles. Faudrait peut-être que tu m'ouvres l'appartement, que je puisse les sortir. Un anneau? Tu as faim? Continuons. Cuisinons ensemble. D'accord. Les transitions sont vraiment cool, je trouve que ça marche très bien. Apporte-moi des carottes. D'où viennent ces légumes? Je veux dire, à l'instant, il n'y avait rien ici. Gars, vu que nous sommes dans un jeu, tu te souviens? Allez, aide-moi! Ok. Moi, je trouve qu'il y a des super idées. Hein. Attendez, je fais un câlin à mon bureau. Ça va aller, ça va aller. T'inquiète. Ça va aller, ça va aller. Oui, tu es un gentil bureau. Merci. Gentil bureau. Bon, allez! Tu pourrais chercher les ciseaux? Ils sont dans la salle de bain. Ok. À tout à l'heure! Mais finis tes légumes! Jamais! T'es pas ma mère! Cette fois, ça t'a pas pris 3 jours. Bravo! Merci. Allez, fais la mise à jour 3.0. Pour commencer, assieds-toi. Ok. Oh non, me dis pas que c'est des putains de crevettes. Non, ça va. Tiens.
Tu veux de la sauce? Non, merci. Dommage. La nourriture est meilleure avec. Ok. On peut discuter avant de manger. Non, vas-y, bon app. Pourquoi as-tu besoin de ciseaux alors que t'as un couteau? Ciseaux et couteau? On peut aussi ouvrir avec un couteau, bien sûr. Mais je voulais que tout soit prêt pour ton retour. De façon que tu vois pas les préparatifs, j'aime faire des surprises. Pourquoi on ne peut pas voir l'extérieur? C'est une fonction de mon monde. Ça peut te sembler étrange, mais tu ne verras pas ce qui se trouve au loin. Ça rend bien, t'inquiète. Ouais. Ça permet d'éviter de laguer. De laguer? Sinon, il y aurait des bugs. J'espère que tu tomberas pas dessus. Eh, elle a fait son propre calendrier. Alors par contre, c'est sympa. Ouais, mais il manque les jours. Alors, la photo sexy, le côté summer, d'accord. Mais il manque les mois et genre les jours et tout, quoi. Mais j'ai rien dit. C'est incroyable. Merci pour tout ce que tu fais, Mita. C'est un poster, c'est ça. Tout est comme dans un rêve. Tu comptes t'enfuir, tu comptes m'oublier? Non, non, je dis juste que ça semble irréel et coloré. Mais tu sembles plutôt réel. Juste semble? Mais je suis réel, idiot! Et du coup, quand est-ce que je pourrais rentrer? Tu as le mal du pays? Pourquoi? C'est si chaleureux ici, et agréable. Et puis il y a moi. Non, non, t'inquiète, je suis heureux de rester avec toi. Et juste, je suis inquiet. Je pourrais avoir oublié quelque chose chez moi, tu comprends? Je suis soudainement ici, sans être préparé du tout. Désolé, j'y ai pas pensé. En tout cas, c'est une jolie maison, c'est confortable. Bien sûr, tu peux rester ici, ça ne me dérange pas. Et au contraire, je préfère ça. Ben, bon appétit, hein. Prends le temps d'apprécier ton repas. Ayano ou Monica, comment ça, Clem? Waouh, tu as pu tout finir? Moi, mon plat me semble sans fin. Attends, je vais aller faire la vaisselle. La musique change, j'aime pas trop. Mita, qu'est-ce qui se passe? Ah. Plus d'okidoki, je pense. Dis-moi ce que tu vois, ce que tu ressens. Ma vue est complètement brouillée. D'accord. Je sais ce qui ne va pas avec toi. Ça rend bien en vrai. Et GG Olivier pour le niveau 60 et Baldrim le niveau 22. Tu as mangé des pixels. C'est vrai que ça doit pas être très nutritif. Des pilules. Prends-les, tu te sentiras mieux instantanément. Tiens-toi devant le miroir. Maintenant, prends les pilules. J'attends. J'allais te dire que t'avais un bug. Bah, c'est un peu ça. Alors, comment tu te sens? Tu te sens mieux? Ouais. Mais comment ça peut agir aussi vite? On est dans un jeu, voyons. Et tout est très simple. Tu fais le moindre effort et le résultat est souvent bien plus important. C'est l'un des principes d'un jeu, la simplicité. Par exemple, une carotte. Tu n'en coupes qu'une, mais trois seront préparées d'un coup. Écoute, tout ce qui...
tout ça, ça arrive si soudainement. Cette situation me fait vraiment peur. Yes. Mita? T'as mis ta nouvelle tenue? Attends, il y a une nouvelle pièce. Ah non. On l'avait peut-être déjà vu, je sais plus. Oui, si, si on l'avait déjà vu. Je peux pas fouiller un peu, non. Merci Clem. Ça s'est agrandi, ouais, c'est plus la même disposition, c'est ça. Merci, je me disais qu'il y avait un truc qui me perturbait. Elles sont plus placées au même endroit. Oh, tu es déjà réveillé? Mais comment es-tu arrivé ici aussi vite? Et tu étais avec moi? Non. Tu étais figé devant le miroir. Je suis partie. Qu'est-ce qui est arrivé aux pièces? Je les ai réarrangées. Comme ça, elles te seront plus familières. C'est-à-dire, les pièces ne sont plus en ligne. Mais telles qu'elles sont censées être. Ce n'était pas nécessaire, tu sais. Je veux dire, je suis déjà habitué. Je pense que tu te sentiras plus à l'aise comme ça. L'idée est cool, hein. Ok. On peut sortir les poubelles ou ça me stresse? Plus ça me rappelle que je dois le faire dans la vraie vie et que j'ai toujours pas fait. A plus. Mais qu'est-ce que... Oh, t'inquiète, ça arrive. Elles sont en train de charger, attends un peu. C'est étrange. On est dans le téléphone de quelqu'un? Et ce téléphone serait aussi long à charger? Non. C'est juste que... Tout ce qui est fait dans ce monde n'est pas parfait. Nous sommes vivants grâce au cœur de ce monde. Le cœur? Typique, hein? On peut soit... jouer avec la console ou jouer aux cartes. Choisis ce que tu préfères. Ah, console, hein. Va sortir tes poubelles, ça réglera tous tes problèmes. Allez. Eh ben on va jouer aux cartes sur la console. Là, y a plusieurs jeux et tout. Des pains et du lait. Ok. Laisse-moi commencer. Je pense que je vais aller doucement. Bien joué! Maintenant, accroche-toi! Tiens, pas la technique du spammeur! Maintenant, je deviens sérieuse. Mon père est parti acheter du lait pendant des années. Je suis un expert. Ah, toi. Mais peux-tu me battre maintenant? Ouais, c'est vrai qu'en plus, ils ont quand même fait la VF. Tu sens que le jeu est travaillé. Puis elle est pas trop dégueulasse, la VF. Tu es incroyable. Cette voix, c'est vraiment quelque chose. Bon, jouons à un autre jeu, d'accord? Et j'ai obtenu un succès dans le jeu, c'est trop drôle. Laisse-la te battre, non. Je la démonte, Clem. C'est très simple. Tu dois ramasser des boules de neige. Évidemment. Celui qui en a le plus gagne, et c'est en deux manches.
Mais qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Tiens, dégage. Hop là! Tu es un véritable manchot! Pourquoi ne pas aller glisser sur la banquise tant que tu y es? Tu la défonces de ouf! Oui. Très bien! Allons jouer aux cartes, d'accord? Elle est pas très forte au jeu vidéo pour une perso de jeu vidéo. C'est vrai qu'elle est un peu nulle. Tu me stresses. Après, moi je suis pas très fort pour quelqu'un dans la vraie vie. Pour quelqu'un qui est dans la vraie vie. Alors, on commence le jeu? Je vais t'expliquer rapidement. J'ai entendu un toc-toc. Par exemple, disons qu'elle affiche un cœur. Si tu as davantage de cœurs sur ta carte que je n'en ai sur ma carte, tu gagnes. Pioche. Waouh, j'ai de bonnes cartes. Je commence. Elle a 5 cœurs. Oui. Merde, j'ai mal compris les règles, je crois. Ok. D'accord. Là, elle me l'envoie en défense. Du coup, faut que j'ai un meilleur truc de défense. Ok. Bah, j'ai pas. Donc, attaque. Un meilleur truc d'attaque. Ça, j'ai. Comment oses-tu? Mais j'ai que de la merde en défense. C'est quoi le son là-bas? Ça vient du placard. Un son? Quel son? J'ai entendu aucun son. Dis-moi à quoi ressemble ce son. C'est comme si quelqu'un frappait la porte. Mais il n'y a personne là-dedans. Je vais vérifier. C'est vraiment étrange. Pourquoi? Encore. Ah, ça sent la fin de la démo. Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a des sous-vêtements là-dedans. Tu caches quelque chose. Pourquoi tu me crois pas? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je veux juste que tu sois avec moi. J'aimerais pouvoir te le promettre, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Pourquoi tu t'es si attiré par ce placard? Il est plus sexy que moi, c'est ça? Je veux juste savoir ce que c'est, ces sons. Juste ce monde. C'est juste ces 4 pièces. C'est pas suffisant pour toi? Tu veux pas essayer de rester avec moi? Je comprends. Encore. Si tu veux savoir ce qu'il y a là-dedans, alors tu vas le découvrir maintenant. Pam pam pam. Alors le jeu a pas l'air très très long, sinon on a déjà fait 15%. Mais en vrai, pour ce genre d'histoire, je pense que c'est mieux si c'est pas long. Ça sert pas à grand chose que ce soit long pour rien.
Donc, bah, c'est un grand oui, ça a l'air super cool. J'ai pas aimé son sourire à la fin. Moi, j'ai trouvé ça sexy de ouf. En tout cas, merci d'avoir suivi cette démo. Des gros bisous et à la prochaine. Salut, salut.